Gmail offre également une solution de stockage en ligne, ce qu'on appelle le cloud informatique, qui s'appelle Google Drive et qui a une capacité de 15 Go. Euh, et c'est bien évidemment gratuit. Pour accéder à Google Drive, on reclique là-haut sur le petit clavier et vous avez ici directement le Drive. Donc les fichiers qui vont apparaître ici, ils sont hébergés sur mon disque dur et dans les serveurs de Google, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le nuage informatique. Ça veut dire que quel que soit l'ordinateur, à partir duquel je vais me connecter. Il suffit que je me connecte à mon compte Gmail pour pouvoir récupérer et charger n'importe quel euh, document que j'ai pu créer. Ça remplace les clés USB, premier intérêt. Deuxième intérêt... Euh, le jour où votre disque dur plante, le jour où vous faites voler votre ordinateur, s'il y avait à l'intérieur tous vos cours, votre mémoire en cours de, de réalisation, etc., ça vous permet d'avoir une sauvegarde externe de vos cours. Donc, on peut euh, se contenter de juste d'héberger l'ensemble des fichiers que l'on a sélectionnés euh, dans le nuage informatique. Donc, vous voyez mon drive ici, importer les fichiers, et vous allez pouvoir euh, importer les fichiers de votre choix. Euh, autre intérêt, tout ce qui est dans le Drive est partageable. C'est-à-dire que que ce soit un document comme un diaporama ou un tableau, ou que ce soit un dossier qui va faire plusieurs centaines de mégas, avec le bouton droit, vous pouvez partager. Et euh, comme on l'a vu précédemment, vous pouvez soit écrire l'adresse mail des personnes avec qui vous voulez partager les dossiers, soit leur envoyer un lien. Et comme d'habitude, vous allez pouvoir choisir si... Euh, le, la personne que vous invitez ne pourra que consulter euh, votre document ou le contenu de votre dossier, ou euh, si vous lui donnez le droit de modifier euh, l'ensemble des contenus. Donc là encore, méfiance, s'il supprime, vous perdez tout de votre côté. Donc, euh, autre manière d'utiliser ça, quand vous devez envoyer un mail avec une pièce jointe supérieure à 20 mégas, la plupart du temps, ça ne passe pas. Il vous suffit là d'envoyer le lien de partage et la personne va obtenir un lien de téléchargement qui lui permettra de récupérer son contenu. Donc, à ce stade-là, euh, tout est hébergé sur le nuage informatique. Si vous voulez également le sauvegarder sur le disque dur, il faut télécharger le petit logiciel qui s'appelle Google Drive qui existe sur Mac et sur PC. Et vous allez avoir ce petit icône que vous voyez tout là-haut en forme de triangle. Et à partir de là, vous pouvez ouvrir le dossier qui est physiquement sur votre disque dur. Donc dès que vous travaillez, dès que vous allez enregistrer quelque chose dans ce dossier-là, automatiquement, il va se mettre euh, en sauvegarde sur le nuage informatique. Donc ça vous permet vraiment d'avoir cette sécurité-là. Donc Google Drive euh, n'est pas le seul euh, cloud qui est à votre disposition. Vous avez également euh, Dropbox qui va fonctionner exactement de la même manière. C'est-à-dire que Dropbox, euh, vous allez avoir un fichier hébergé sur votre disque dur. Où vous allez retrouver euh, voilà, ce qui est physiquement dans votre disque. Et vous pouvez aller à partir de Dropbox sur le site internet où vous allez retrouver la totalité de ce que vous avez mis euh, sur votre nuage informatique. Voilà. Donc, ce n'est pas compliqué euh, à prendre en main. Et vraiment, ça vous permet de créer des sauvegardes et de partager vos dossiers toujours dans un esprit de travail collaboratif. À suivre!